Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Fire this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Ok, bonjour à toutes et à tous, c'est Para de la Voix Off. Vite fait, avant que votre épisode démarre, je tenais juste à vous dire, je voulais voir avec vous quand est-ce que vous voulez que les épisodes sortent, ou vous voulez que ça sorte le matin à 8h30, enfin 8h15, 8h30, je ne sais pas encore, enfin dans ces eaux-là, je pense que ce sera plus 8h15, ou 20h15, donc c'est ça, on va rester là-dessus, on va partir. Ou je vous fais sortir les épisodes à 8h15, donc le matin, ou je vous les fais sortir à 20h15, donc plutôt le soir. Dites-moi ce que vous préférez. Je ne sais pas, je pense qu'on va plus rester sur... Enfin, s'il n'y a que moi, je pense qu'on va rester sur 20h15. Mais après, si toutefois je vois que vous préfériez le matin, pour moi, il n'y a aucun souci. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon visionnage pour votre épisode. Eh bien, salut à toutes et à tous les amis. C'est Paradox et on se retrouve pour ce deuxième épisode de notre aventure sur Super Mario Odyssey. J'espère en tout cas que vous allez bien. La dernière fois, on était ici. Attendez, par contre, pas moyen. Bon bah c'est pas grave. J'espère en tout cas du coup, franchement et sincèrement, que vous allez bien. Moi ça va nickel. Du coup, on est parti pour démarrer du coup. Ah, comme ça. Comment est-ce que je viens de faire? Ah. Ça. Il faut spammer, ouais. Ok, bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. On démarre du coup aujourd'hui un nouveau monde. On a un monde qu'on avait été voir, il me semble. On avait été le voir. C'est le Pays des Sables. D'avance, c'est vrai que... Je préfère vous le dire direct. On est déjà en live, déjà, et également, par rapport au monde, on va faire en sorte... Bon, on va passer, on l'avait déjà. Pensée circulaire ou un petit bacon. On va aller jusqu'au... Enfin, comme vous l'avez vu, aux 3 étoiles, enfin à la... comment il s'appelle ça? La lune de puissance, je crois. Enfin, la triple lune de puissance. Grosso modo, on va avancer le scénario. Voilà, pour faire très simple, on va avancer le scénario. Et dès qu'en fait, le scénario nous dit qu'on part, on partira. Mais ça ne nous empêchera pas de fouiller un maximum les mondes. Bien évidemment. Ok, donc, alors, du coup, on est arrivé dans ce nouveau monde. Par contre, sérieusement, c'est quoi ça? Cette espèce de piaf, là. Bon. Passons. Alors, on peut monter encore plus vite. Pourquoi c'est nuts? Ouah, mais moi je suis pas prêt à ça. Et on va recommencer. Ouah, c'est dur. Là, c'est que je prends... Ah si, ça passe. Je pense... Oh purée, non. Ok, donc, hop. Mais non. Oui, mais pas comme ça. Oh, c'est dur. À mon avis, ça doit être pour une lune, donc bon.
Pas trop trop, voilà. Pas trop trop négociable. Ok, donc voilà. Du coup, voilà, comme je l'ai dit, on va explorer un maximum, mais bon. Dès qu'il faut qu'on... Enfin, dès que le scénario nous dira de partir, on partira. C'est aussi simple que ça. Ok, également... Oh, attendez. What? C'est si joli que c'est gelé. Ok, donc à mon avis, on peut rien faire pour... On peut rien faire ici. Ok. Oh, oh. Ah, oh. Quel oiseau. Oiseau. Ah, c'est ce qu'il faut que je tape comme ça. Il est. En fait. Je ne sais pas. Bref, continuons. Donc là, on est dans un espèce de désert, d'ailleurs. C'est dans le désert. Comment ça s'appelle ? Ifesek. Désert d'Ifesek. Ok, donc il y a pas mal de monde. Ok, on a un instant ici. Ok, donc là, il y en a 100, ceux-là. Bonjour. De la glace à Zali, subitement du sol. Et Zemi à faire terriblement froid. Ok, bon. Ça, je suppose qu'il fait partie de la quête principale. Ici, du coup, c'est le marchand. Le marchand, du coup, on le connaît, enfin, on le reconnaît pas de qui est tout. Ça, oh, il y a une lune à côté. Et il y a un petit chien. Bref, alors, qu'est-ce qu'il y a de bien à acheter? Bonjour. Qu'est-ce que... Oui, non, mais... Qu'est-ce que tu vends? Oh, la tenue de cow-boy a l'air vachement... classe que le sombrero et le poncho. On peut acheter ça déjà. Tac. Affaire en oreille fait sec. Et d'ailleurs, oui, en soi, on pourrait déjà acheter ça. Ça reviendrait à 200. Mais on s'en fout. J'en veux pas. C'est pas beau. Pas pour le moment, du coup. Ok, attendez, vous l'avez vu. Ici, il y a des pièces. Ok. Vérifie un truc. Qu'est-ce que je pense ? Peut-être, mais quand la glace sera fondue, en fait. Je me dis peut-être... Et donc ça marche déjà. Je me dis en fait peut-être que... la lune, vous savez que qu'on voit en extérieur, enfin, dont je viens de parler, peut-être qu'en fait on l'obtient de pas... par un côté. Mais bon, pas pour le moment. Bon, de toute façon, à mon avis, vraiment qu'on a... On peut vraiment pas aller partout pour le moment. Bon, on va continuer. Oh ! J'ai vu un jeune couple partir vers les ruines. Mais ils ne sont toujours pas revenus. Ok, bon, on va y aller. On va aller voir. Empreinte, celle de Bowser. Ok.
sais pas. C'est de la déco en fait. C'est de la déco. Entrée des ruines d'Ifesek. Ok. Alors, du coup, hop, oula, attention à eux. Voilà. Ok. C'est quoi ça? Oh. Ok. Mon dieu, du coup, ça fait un homme des cavernes dans ce monde. Ah, ça, je connais. Voilà. Donc faut vraiment pas hésiter à pouvoir absolument tout prendre, enfin à prendre le contrôle de tout. Et ça, je m'en souvenais plus pour le coup. Je vais s'enfoncer là-dedans. Aïe! Foutez-moi la paix. Oh mon dieu, regardez Mario. Ok, attendez. Ok. Vous pensez à ce que je pense? Que vous pensez qu'il y a une... Mince. Il peut y avoir une lune si on casse tout. Alors non. Ok, donc déjà on a une qu'on peut récupérer. Ah, et il y en a une autre là. Parfait. Et on en a également une là-bas. On va pouvoir récupérer. Parce que la suite doit être là-bas, voilà. Parfait. Ouais, mais je reviens comment moi? Eh, c'est pas faire moi ça. Moi, je sais pas comment on fait. Non. Ça peut-être. Ok. Ok, bon, en fin de compte, c'est... J'ai fait un saut et puis j'ai... Hé hey. Hé, hey, regardez, j'ai fait un saut... Là. Mais calmez-vous, bande de fous! Du coup, ouais, les épisodes de Mario seront peut-être assez longs, je te dis. Je dis qu'ils seront peut-être assez longs. Mais bon, de toute façon, on s'en fout. On profite. Et puis c'est tout. Non. Il y a rien à faire. Ok. Oh! C'était beau. Ok. Oh, une phase en 2D. Ah oui, regardez d'ailleurs en 2D. Voilà, on a nos tenues. On a nos tenues qui sont gardées. Ça, c'est cool. Tac. Ok. Hop. Allez, on ressort en 3D. Deux petites secondes. Voilà. Il y a forcément un truc là. Oh, une lune. Ouais, donc ok. Ok, donc il y a vraiment des lunes partout. Vous pensez que j'y arrive? La réponse était non. Pas grave, ça m'a... Ça va quand même me permettre de voir ça. Oh, parfait!
Où est la lune que je viens d'ouvrir? Là. Donc ouais, si, j'ai pas le choix. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident à faire le saut que je vais faire. Enfin, c'est pas évident. Je dis ça alors que tous les pros y arrivent. Puisque je ne suis pas un pro. Les pro PVP players. Non. Non, tous les speedrunners utilisent cette technique. Aïe! Non! C'est vraiment comme ça que je suis censé pas. Attendez. Attendez. Allez hop. Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? Ok. Go! Ok. Et encore une fois dans le dé, un truc là. Trop bien. Mais c'est beaucoup trop bien. Ok, on vérifie. Il y a que dalle. Oh, coucou toi. Je sais pas comment je t'obtiens, mais coucou toi. Ok, donc on est encore en 2D. Tac, on essaie de récupérer absolument toutes les pièces. Pas faire d'attaque rosée. Ok, mais je peux passer là, ok. Parce que ça, je les avais vus. Yes, pour le coup. Wow! Pas penser à m'accroupir. Mais alors, pas du tout. Non. Ok. Oh! Ok, donc ça, c'est une lune. Non. Enfin, ça, c'est une lune importante. Ça, c'est une lune assez importante. Voilà, ça, c'est une lune du scénario. Ok. Alors, attendez. Déjà, si on lance son chapola, ok, il nous récupère des pièces. Et c'est bon. Wow! Ok. Il faut qu'on fasse ça. Tac là. Ok. Donc là ils vont s'activer en chaîne. Oui, j'avais sauté beaucoup trop tôt. Aïe. Non. Trop tard. Hello. On est arrivé.
Bonjour. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Si vous le savez. Ah ok, je peux prendre le contrôle de... Pardon. Ah ok, tu m'offres... Ok, tu m'offres des passages secrets. Ok, donc... Là, du coup, hop, je peux récupérer ça. Ok, donc en fait, c'est un espèce de... Grosso modo, de monocle de vérité, dans Zelda, quoi. On va moins vite quand on... Oui. Mon dieu, le look qu'ils ont, par contre. Ok. Attendez. Peut-être pas, finalement. Ah, non. Mon dieu, regardez, il y a des empreintes de Bowser. De Bowser. Tac. Qu'est-ce que tu passes avec ça? Ah mais attendez, ça en fait ça se trouve. Ça se trouve c'est juste là où va apparaître la lune. Avec les. Avec les fragments. Ça se trouve en fait. Je cherche juste pour pas grand chose. Il va y avoir un trou. Ça passe sans les lunettes. C'est énorme. Il faut qu'on prenne toi. Il faut qu'on fasse le parcours avec lui. Voilà, on voit tout un parcours. On ne voit pas en temps normal. Attends-moi. Merci Thierry. Ah, ok, en fait là-bas ça menait à rien. Oui, donc je risquais pas d'y arriver. Et le dernier fragment, je vois où il est. Faut vraiment que j'appuie sur les deux. Ouais. Et donc elle apparaît où? Elle apparaît là, ok. Donc oui, du coup, j'avais bien compris. Non, c'est vraiment. Ouais voilà. Ok. Hop, une nouvelle. Petite lune du scénario. Et du coup, on a accès à l'entrée. Allez. Pardon. Pardon, comment ça y est pitch. J'ai Bowser. Et oui, ça m'amuse de dire Bowser et non Bowser. Parce que c'est une bouse, c'est Bowser. Donc du coup, ah oui d'ailleurs ça je vous ai jamais fait montrer. Voilà, on peut faire ça. Bref. On rentrera pas. Se passe des choses sur la pyramide inversée. Je suis un peu inquiet pour la bague d'union qui est à l'intérieur. Ah oui, mais c'est aussi tu dévoiles tout.
Comment tu veux ne pas être inquiet? C'est vrai qu'on peut se balader comme ça aussi. C'est vraiment pas si c'est plus rapide. Je sais qu'il y en a beaucoup. J'utilise cette méthode. Et notamment les... des speedrunners, mais bon. Voilà. Ok. Et là, je suis mort du coup. Merci beaucoup. Alors, attendez, je vais voir ici. Non! Donc voilà, ça me permet de vous montrer la mort, voilà, c'était exprès. Donc voilà, la mort, on perd juste des pièces. Et je crois que plus on meurt, plus on perd de pièces, je crois. Y'a peut-être un délire comme ça. Peut-être rêvé. J'ai beaucoup trop abusé. Ok. Voilà, l'un des problèmes que j'ai avec Mario Odyssey, c'est que quand je meurs, je vais trop rusher. Mais bon, pas que avec Mario Odyssey, avec tout Mario d'ailleurs. Ok, il y a quoi là du coup? En fait, je sais pas où est la suite. Ok, donc il y a une mine là. Les bols. Ok, donc je ressors où? Ok. Cool. Mais c'est pas ce que je veux. Mais c'est pas ce que je veux. Nion. Nion, tiens. Ok. Et deux fois? Oh, c'est parce qu'on a trop de pièces, franchement. On va y arriver. C'est la moto. On va y aller. Parce que ce qu'il y a, c'est que vous l'avez vu, en fait, il y a une autre étoile. Une autre lune, pardon. On peut se TP, ça qui est bien, pardon. Deux pièces. Ça qui est bien, c'est qu'on a des... on peut se TP au waypoint. Donc voilà, du coup, faut qu'on aille là d'ailleurs.
Ouh, ouais, par contre, on voit. On n'en voit plus. Ah non. Tant pis. Pardon. Multilune. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fout là? What? Ok. Oui, non, mais oui. D'ailleurs, je crois que... Enfin, vous voyez, on a notre nombre de pièces, on a notre nombre de pièces violettes. Je crois que le nombre de pièces qui est indiqué, si je dis pas de bêtises, c'est pas le nombre de pièces qu'il nous faut pour partir dans le prochain monde. Ouais, donc on a presque ce qu'il faut. Là, on a un truc que je sais pas ce que c'est. Voilà. Salutations aux voyageurs. Au toi. Toi. Toi au couvre-chef qui. Toi et au couvre-chef qui t'accompagne. As-tu des réponses? Car j'ai des questions. Que cherche le cupide monstre sur notre terre millénaire? Une bague. Comme le sait. Au colporteur de bonnes réponses. Avance car le passage est ouvert. Bah c'est facile. Et attends, si je m'en remets là, t'en as une deuxième. As-tu encore des réponses aux voyageurs? Pour ma part, il me reste des questions. C'est moi, petit Hermine. Celui qui galope dans les dunes... Yes. Non. Oui, c'est exact. Ta parole exhale. Exhalant le prodige aux voyageurs. Et alors? Ah! Impressionnant, je suis décidément plein de ressources aux voyageurs. Une question. Combien y a-t-il de statues? Le galopeur 4. On va c'est l'autre. Même pas... Ah c'est ok. Je sais pas ce que t'appelles une scène. Du coup il y en a 5. Exact, mais... Réponse, tu la savais vraiment? Elle était bonne? Il y en avait 6 à l'origine. Une a disparu. Ce qui en laisse 5. Tu as parlé au hasard. Avoue que tu as parlé au hasard. Tu n'es... C'est un beau parleur hasardeux. Tu es tenace, ô voyageur. Bien. Prépare ta dernière réponse, car ce sera ma dernière question. Quel est mon nom? Sphinx. Ah oui. Ça paraît logique en fait. Je reste sans voix. Tiens! Pense à voyageur et fiche-moi le camp. Parfait. Parfait.
Une pluie de pièces. Parfait. Parfait, on peut repartir. On peut repartir. Avec deux lunes en plus. LOL. Franchement, ce jeu est super facile. Oui. Ça marche. Encore un tableau, il me semble qu'on en avait vu un dans... Je me demande si c'était pas pays des cascades ou dans le monde des chapeaux. L'un des deux, on avait vu un. Ok. Oh, attendez. Avant d'aller à l'intérieur, oui, je fais durer et je vous embrouille. On va aller là-bas. De toute façon, voilà, je vous dis, de toute façon, relativement long à chaque fois. De toute façon, voilà, dites-vous qu'on... Normalement, enfin, moi je pense qu'on pourra pas tout faire. Ok, donc on est parti à l'intérieur de la pyramide. Ça s'appelle la pyramide inversée. Ok, bon. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai vraiment pris un dégât aussi bêtement. Ok, on repasse en 2D. D'ailleurs, en 2D, la casquette ne marche pas, genre. Voilà, je vais pas vous cacher. Ah bon, on peut sauter comme ça, ok. Ok, donc là, ok, on a encore un système de gravité comme dans Mario Galaxy. C'est le Mario, dernier Mario qu'on n'a pas fait, Mario All-Star, mais bon. On le fera un jour. C'est promis. Point. Oh, vous avez vu un peu la synchro? C'est parce que je connais le jeu par cœur en fait, je connais même les musiques par cœur. C'est faux. C'est absolument faux. Allez hop, en mode speedrun. Oh. Raté. Même pas peur. Un petit peu quand même. Hop. J'ai très peur. On se tire. Alors on n'a pas du tout raté toutes les pièces, c'est ça qui est fou. Je rappelle tellement les vieux Mario, c'est trop bien. Ok. Pas à moi en fait. Pas à moi. Ok. Ok. Et on obtient une lune. Parfait. Tac là. Et donc...
Ah, ok, il n'y a rien à obtenir. Ça par contre... Ça par contre, je prends. Ok. C'est pas vrai, j'ai pas du tout rushé cette partie. Ok, bon bah on monte. On monte en haut, hein. Bien sûr. Vraiment. Ah, ouais voilà, donc je laisse appuyer. Mais c'est trop bien. Mais c'est beaucoup trop bien. Regardez en fait, tant que je laisse appuyer... Je vais tourner. C'est-à-dire que si je fais ça, voilà, vas-y tourne. Tourne pour moi, Capi. Tourne. Ah non, rien comme un bout d'un moment. Oui, j'ai voulu me débarrasser de Capi. Bon bah, on est parti pour libérer la princesse pêche, hein. Vous en doutez qu'on va pas déjà libérer la princesse pêche. Ça serait... Vous cherchez la bague d'union, les Minus? Nahaha. Fallait se lever plus tôt. Le boss est déjà passé. Et ça sert à rien de s'obstiner. Vous n'êtes toujours pas invité au mariage. Ok donc. Alors... Faut te renvoyer tes machins, je pense. Ouais. Ouais, oh, il est gros celui-là. Ah, ok. Non, faut attendre. Ok, faut lui renvoyer celui-là. Salut. Il faut attendre le gros et puis le renvoyer. Je vais carrément faire ça. Ok donc comme ça ça marche, je suis pas obligé forcément d'attendre le gros. Juste qu'avec le gros à mon avis c'est plus facile. Ça va en fait. Mais t'as des problèmes ma petite. Ok en fait extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Et poum! La tête de Mario. Et on n'a pas fini. Ce monde. Cette fichue Brudals nous a un peu ralenti. Mais rien de grave. On continue d'engendrer des lunes. Des lunes. Mais qu'est-ce qui se passe? La pyramide inversée flotte dans les herbes. Flotte dans les airs, pardon. Et il fait encore plus froid qu'avant. Je crois que cette crapule de Bowser... qui est derrière tout ça?
Quel castoc celui-là? Castoc. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Donc oui, il y a des parties au niveau d'effet sec. Donc ça veut dire qu'on va le faire en deux parties. Pas un souci. J'espère en tout cas du coup franchement sincèrement pardon les amis que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous du coup très bientôt pour la suite de notre aventure sur Super Mario Odyssey. Allez, merci à tous, c'était Para. Rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure sur Super Mario Odyssey. D'ici là, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir. Partagez la chaîne et vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci vraiment à tous et à tous. C'était Para. Bye bye tout le monde. Allez, salut tout le monde. Bye. Ciao tout le monde. Bye.